Marion Games est éteinte ce jeudi 23 mars à l'âge de 84 ans. L'actrice de scène de ménage incarnait le rôle d'Huguette dans l'indémodable série de M6. Pendant 14 ans, elle formait avec Gérard Hernandez un couple de retraités plein d'humour et de répartie. Si Huguette et Raymond ont toujours eu une place privilégiée dans le cœur des téléspectateurs, de nouveaux couples ont fait évoluer la mini-série au fil des saisons. Des nouvelles têtes qui ne faisaient pas l'unanimité parmi les acteurs, à commencer par Marion Games. Interviewée par Jordan Deluxe pour Télé Loisirs en 2022, l'ancienne compagne de Jacques Martin a ouvertement critiqué l'arrivée de Claudia Mongumu, Louise, et de Riyad Bax, Jalil, dans la série. Tout le monde a droit à sa petite part de bonheur. Ils n'ont pas pris un couple qui nous bouleverse. Ils sont gentils, mais... déjà, ils me piquent mon boulot, ces cons-là, rire, lâche-t-elle, avant de poursuivre, on tourne un peu moins. Ils ont raison, ils essayent de tambouriner un peu le truc. Point, et nous, on s'en fout. Ce n'est pas très élégant de leur part mais ils font ce qu'ils veulent. Ces tragiques décès de personnalités qui ont déjà marqué l'année 2023, elle se faisait plus discrète à la télévision à l'époque déjà, Marion Games se plaignait d'être beaucoup moins présente sur le petit écran avec son partenaire de jeu. Mais si la comédienne l'explique par la présence de nouveaux couples, une autre hypothèse semble le justifier. La comédienne de scène de ménage souffrait de troubles de la mémoire, comme le déclarait le comédien Georges Belair le 24 janvier dernier dans l'émission Chez Jordan diffusée sur C8. En avril 2019, Ici Paris expliquait qu'elle était de moins en moins en capacité de jouer. Son acolyte Gérard Hernandez pouvait passer des heures dans sa loge pour l'aider à réviser son texte. Et, sur le tournage, Marion Games avait parfois recours à une oreillette pour que ses textes lui soient transmis en direct. Article écrit en collaboration avec Cimedia. Crédit photo, MPP.